On nous cache tout, hein. On ne dit rien. Là, je lis sur Internet qu'en fait, faire du sport, si tu veux des abdos avant l'été, c'est très mauvais. Le sport ne fait pas maigrir du tout. Le challenge que je fais en ce moment. C'est quoi ton challenge? Le challenge pour avoir le ventre plat, là. Tu manges pas de sport. Mange que des chips, surtout pas de légumes. C'est de ça dont il parle. 28 jours, ventre plat. C'est le chip challenge. En fait, en gros, si tu veux, le fait de manger comme ça, beaucoup d'huile qui se fixe dans ton plasma sanguin, ça libère des enzymes qui te font maigrir et qui durcissent le muscle. Tu fais pas de sport? T'es malade, pas de sport. Non, ça interrompt le truc chimique, là. Non, mais c'est prouvé. Je vais essayer. Ben oui. Désespéré. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles en ce vendredi dernier jour de la semaine. Bah moi il est bienvenu, hein, ce dernier jour de la semaine, je sais pas vous. Moi je suis contente d'être au week-end bientôt. Vous vous reposez plus la semaine au boulot ou le week-end avec les enfants? Non, alors je vous explique, moi je me repose 50 minutes par jour dans la maison des maternelles. Et le reste du temps, Et le reste du temps je suis crevée. Voilà. Vous avez bien compris. Alors on n'est pas seul puisqu'on est avec Carole. Carole! Bonjour. Ça va? Bien vous. Carole, elle est avec Arthur et Charlie, ses petits jumeaux. Bon, Carole, vous vous préparez, vous échauffez un petit peu? Exactement. Parce que Karim va vous faire bosser, ce sera tout à l'heure dans notre séquence pratiquée à la fin de l'émission, plus ou moins. C'est moi, Karim, il faut le dire, qui vous ai, un peu obligée, j'ai le bras long, exactement, à faire cette séquence, parce que ça fait quelques mois que je fais tous les matins les 5 Tibétains. Alors, sur mon Instagram, je vous l'ai mis un jour, tous les exercices, ben ça me fait un bien de dingue. Je trouve que c'est une super hygiène de vie. Eh, vous aviez raison, vous aviez raison. J'ai testé, je peux prouver aussi que je peux témoigner et dire que ça marche. Voilà, vous le faites, Marie? Pas du tout. Moi, le pourtant, matin, je vous ai montré, hein, chien tête en bas, chien tête en haut, chien tête en bas. Moi, j'erre lamentablement et je fais les chocolats chauds le matin, vous voyez, donc je peux oui, pas mais faire. Moi aussi, mais il suffit de se lever 10 minutes plus tôt, 10 toutes petites minutes. Je ne suis pas encore là. Ouais, les 5 minutes. Les 5. Mais ça fait. Moi, je suis crevée, je le fais, je vais bien. Donc, vraiment, restez avec nous. On va tout vous dire, ce sera donc tout à l'heure. Benjamin, dans le JT, chérie. Aujourd'hui, on va parler de la première journée mondiale de la pré-éclampsie, maladie dont on parle très peu. C'est important de le signaler. Ouais, c'est la toute première journée et c'est génial que ça existe. Nous prendrons la direction de l'hôpital des nounours. Bah oui, ça aussi, c'est génial que ça existe. C'est pour aider les petits à apprivoiser leur peur de la blouse blanche ou de la piqûre. Des étudiants en médecine leur font jouer à des jeux de rôle très efficaces. Vous allez voir, vraiment, ça marche. Les progrès scientifiques ont permis d'améliorer la qualité et l'espérance de vie des personnes atteintes de mucoviscidose, une maladie génétique qui n'a pas empêché Julie, que nous allons rencontrer, de devenir maman. Un super témoignage tout à l'heure. Votre enfant n'a pas l'air bien réjoui d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Pour le motiver un peu et surtout pour le rassurer, Marie Père Arnaud vous propose d'utiliser quelques livres et activités spécialement étudiées pour les gros bisous du bébé. Vous avez quand même du mal dans votre fratrie, j'imagine, à faire comprendre que la place, enfin aux aînés, que la meilleure place, c'est la leur. Eh bien, on arrive toujours à trouver un petit quelque chose à dire sur la place qu'on ne céderait pour rien au monde, sa place d'aîné ou sa place de petit dernier ou du milieu. Non, on s'en sort pas si mal. La place du milieu, on dit que c'est celle qui est la plus difficile à gérer pour les enfants. Et en même temps, ils peuvent être petits quand ils le veulent et grands quand ils le veulent. Donc l'un dans l'autre. Ouais. Moi aussi, je trouve que le deuxième, c'est pas mal. Hein. Le deuxième, t'es le petit et le grand. Vous êtes le deuxième, vous, Benjamin? Je suis le deuxième. Ah, c'est pour ça. Vous êtes épanoui, vous avez réussi, c'est tout fantastique. Va bien. Dans les années 60, la mucoviscidose laissait rarement aux enfants qui en souffraient la chance d'atteindre l'âge des 7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, les adultes sont de plus en plus nombreux à vivre dans de bonnes conditions, malgré cette maladie génétique qui est incurable. Et puis aussi, ils arrivent à devenir parents, ce qui paraissait impensable il y a quelques années. Alors, on aura un témoignage tout à l'heure qui sera bouleversant, vraiment, d'une femme, une sacrée gonzesse, une femme forte, une super maman. Vous pouvez réagir, témoigner sur les réseaux. Vous avez la page Facebook de l'émission, ça, c'est l'idéal. Et puis, bien sûr, vous avez Twitter, hashtag LMDM, ou nos Instagram, on adore vous répondre, être en contact direct avec vous. Et puis, si vous voulez approfondir les sujets dont on parle dans cette émission, vous avez un site quasiment tout vidéo qui s'appelle lamaisondesmaternelles.fr et c'est tout nouveau. Tout de suite, c'est l'heure de s'informer. Oh,
Alors, on est très heureux d'ouvrir ce journal en parlant d'une association exceptionnelle qui fête aujourd'hui sa 10e année et qui veut tout mettre en œuvre pour contribuer à aider la recherche sur les cancers des enfants. Et à cette occasion, une course va être organisée ce dimanche pour récolter des fonds, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. Ça va se passer à Taverny, dans le Val d'Oise. Mais que l'on soit du coin ou non, forcément, vous allez voir, on ne peut qu'être admiratif du travail fait par notre invitée et son association, Virginie Charret. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue dans la Maison des Maternelles. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la présidente de l'association Lisa Forever. Il faut d'abord qu'on raconte la genèse de cette association. En 2006, avec votre conjoint Nicolas, vous donné naissance à une petite Lisa. Et quand elle a eu environ 2 ans, un cancer, elle a eu un cancer. Racontez-nous. Lisa a 2 ans et demi, en fait, pendant les vacances d'été, a montré des signes assez inquiétants, donc au niveau de la marche, les maux de tête, etc. On a mis 15 jours, 3 semaines à comprendre ce qui se passait, plusieurs médecins, des urgences, etc. Parce que la maladie, finalement, n'est pas très connue et les généralistes ne sont pas forcément formés à ce type de diagnostic. Et au final, un scan a été réalisé et là, le 30 août 2008, on nous a annoncé qu'elle avait une masse dans la tête. Cancer cérébral pédiatrique. Exactement. Donc, elle a fait 14 mois de chimiothérapie. Oui, et une chirurgie complète en premier. Voilà, donc traitement très lourd. Et après cette chimio, malheureusement, la maladie est revenue, a emporté votre fille. Même si on a cru qu'elle allait s'en sortir, parce qu'elle avait vraiment toutes les chances de guérir. Elle est restée en rémission pendant 14 mois avec des chimios, d'entretien, etc. Et la maladie, effectivement, est revenue en novembre 2009. Vous aviez fait une promesse à Lisa. Oui. C'est que, dans tous les cas, vous allez vous battre, et ça allait devenir le combat de votre vie, vous battre contre le cancer pédiatrique. Tout à fait. D'où la création de cette association, voilà. Lisa Forever. Exactement. Du coup, alors, quels sont les objectifs de l'association? Parce qu'évidemment, vous connaissez de près ce sujet. Quels sont les objectifs? Alors, les objectifs, le premier, c'est évidemment de contribuer financièrement à trouver de nouveaux traitements contre le cancer chez l'enfant. Mmh. Et le deuxième objectif... Qui a un cancer spécifique, on le dit souvent ici, c'est pas un mini-cancer des adultes, le cancer des enfants, c'est un cancer à part. Tout à fait, et il y a surtout beaucoup de types de cancers chez l'enfant, beaucoup plus que chez l'adulte. Mmh. Donc c'est vrai que nous, on connaît le cancer du sein, le cancer du côlon, etc., avec des protocoles bien spécifiques pour chaque cancer, mais chez l'enfant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des cancers un peu particuliers pour chaque enfant. Et puis comme il y a moins de cancers des enfants que de cancers des adultes, forcément la recherche... se focalise moins sur, évidemment, trouver des nouveaux traitements pour les enfants. D'où l'importance pour vous d'apporter des fonds. Exactement. Mmh. Sachant qu'il faut garder en tête que les enfants, jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, avaient des médicaments qui étaient ceux qu'on donnait aux adultes. Ouais, mais sous-dosés. Sous-dosés, voilà. Ou parfois surdosés. Mmh. Alors, je ne vais pas utiliser surdosés, mais on donnait une dose plus forte parce qu'ils ont une capacité d'absorption plus importante que l'adulte. Donc, ce n'était pas du tout adapté, c'est assez récent. Les séquelles, en fait, sont forcément plus lourdes. Mmh. Et c'est là où intervient notre deuxième objectif, c'est améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital pendant et après la maladie, parce qu'il y a aussi le après la maladie. Oui, c'est intéressant de parler de l'après, parce qu'on parle souvent ici du pendant, parce qu'évidemment, c'est important pendant les chimios, pendant les périodes à l'hôpital. Mmh. Mais l'après, généralement, ces enfants, une fois qu'ils sont en rémission, les familles... On est un peu livrés à nous-mêmes. Alors, ce n'est pas que les hôpitaux ne nous aident pas, ils nous donnent des adresses, etc. Mais voilà, c'est localement, quand vous êtes un peu excentré de Paris, il faut trouver les bons professionnels pour prendre en charge les séquelles, pour traiter l'enfant après la maladie, parce que les traitements ont forcément des séquelles, surtout dans le cancer cérébral, dans les tumeurs cérébrales. Mmh. Donc, ça peut être les ergothérapeutes, les psychomotriciens, mais ça peut être également psychologique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis il y a la prise en charge aussi à l'école. Et il peut y avoir un diabète qui intervient suite au traitement. Enfin, voilà, c'est très, très lourd. Et tout ça, on est un peu livré à nous-mêmes. On n'a pas les bonnes adresses, pas les bons contacts. Et les professionnels de santé qui sont locaux, si je peux me dire, ils ne sont pas trop formés, en fait. Donc, du coup, on est tout seul. Oui. Face à tout ça. Et vous-même, après le décès de Lisa, vous avez été un peu livrée à vous-même? Alors oui, le problème, c'est qu'ils traitent l'enfant, évidemment. Ils le soignent, ils sont là, ils sont présents. Mais une fois que l'enfant, malheureusement, n'est plus là, nous, on s'est retrouvés vraiment tout seuls. Mais tout seul, tout seul. Hein. C'était un peu compliqué, oui. Ouais, d'où l'importance de cette association qu'on tenait vraiment à saluer. 2 points, donc aider la recherche et l'accompagnement de ses enfants avant et après. C'est important. Donc, cette course, rappelez-nous où ça se trouve, comment on s'inscrit, parce qu'on peut encore s'inscrire. Exactement. Donc, c'est notre 4e édition. Elle a lieu à Taverny, dans le 95, dans le Val d'Oise.
Donc, on peut s'inscrire sur le site internet qu'on a dédié à cette course, qui s'appelle courontcontrelecancerchezl'enfant.com. Mm-hmm. On va tweeter les liens, tout ça, de la maison des maternelles, ce sera plus simple. Très bien. Et si vous n'êtes pas dans le coin, si vous n'êtes pas sportif, si vous n'aimez pas courir, vous pouvez donner de l'argent aussi. Exactement. Il n'y a aucun problème, on va tweeter tous les voilà. liens. Et ça permet de collecter des fonds, en fait, pour financer des projets qu'on a déjà dans notre liste, dans notre panier de courses, on va dire. Merci infiniment d'être venu nous voir et bravo pour ce que vous faites. Merci. Bravo, Virginie, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, à noter, et c'est important, c'est la première édition française de la Journée mondiale de la pré-éclampsie. Oui, on a déjà dit dans cette émission qu'on n'en parlait pas assez. L'objectif sera de faire connaître avant tout cette grave complication de la grossesse pour évidemment mieux la prévenir, mieux la traiter. Cette journée sera donc le 22 mai prochain. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site grossesse-santé.org ou sur le site formidable la maison des maternelles. Oui, ben on enchaîne, parce Agathe. On a publié un super article sur le oui, sujet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va prendre la direction d'un hôpital ce matin, mais un hôpital pas comme les autres, il faut bien le dire. Oui, effectivement, une clinique pour doudou. Imaginez, le doudou de votre enfant est déchiré, brûlé ou autre. C'est toujours un drame, bien sûr. Alors, soit vous en avez un de rechange parce que vous êtes prévoyant, soit vous n'en avez pas et vous êtes dans la... Vous êtes mal. Une maman de 3 enfants qui s'appelle Isabelle et qui habite à La Rochelle a eu cette idée géniale de créer l'hôpital Necker pour les nounours. À quoi ça ressemble ? Fleur Mongibaud vous présente tout ça. Bonjour. Est-ce que tu sais comment s'appelle ton doudou ? Bisounours. Bisounours ? Est-ce que tu sais combien il pèse ? 10. 10 ? D'accord. Et pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il a comme maladie ? Il a mal au bras. Ah, il a mal au bras, d'accord. C'est embêtant, ça. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient à l'hôpital ? Oui. D'accord. Bon, faut bien le rassurer alors. Pour savoir pourquoi Bisounours est malade, sa propriétaire Isia, 4 ans et demi, passe d'abord voir l'infirmier. On va prendre un petit peu de sang dans la veine de Doudou. Il est courageux avec les piqûres, le bon nounours. Ah bah c'est super. Alors pour l'aider à être encore plus courageux, Bisounours, on va lui mettre un masque de méopa. Comme ça, il va pouvoir aller un petit peu sur les nuages et penser à autre chose, Bisounours. On essaye d'appréhender l'angoisse qu'ils peuvent avoir, justement en leur donnant cette fonction de parents, où eux, ils vont accompagner Doudou comme étant un petit peu leur enfant, leur protéger, et voir un petit peu par miroir ce que pourrait ressentir Doudou et finalement eux aussi. Allez. 1, 2, 3. Hop, c'est bon, on est dedans. Il y a le sang de Doudou qui arrive. Tu appuies fort pour que le sang arrête de couler. Super. Bisounours a maintenant rendez-vous avec les nounoursologues, ses étudiantes en deuxième année de médecine. Alors, on va écouter son cœur pour voir si son cœur il va bien, d'accord ? Alors, tu vois, je mets cette partie-là, là, sur le cœur de ton doudou et je mets ça dans les oreilles. Tu veux écouter le cœur de ton doudou ? T'entends un bruit ? Donc tu vois, ça veut dire qu'il va très bien ton doudou, on entend bien son cœur. On leur prend la température, on regarde les oreilles. Voilà, parfois on peut leur faire un vaccin justement parce que quand on va chez le médecin généraliste, on peut être amené à avoir un vaccin. Alors tu prends ça, les antibobos tu lui donnes pendant 5 jours, tous les jours, le matin et le soir. Je pense qu'on les emmène ici pour qu'ils voient que c'est pas si grave d'aller voir le docteur, que ça fait pas mal, que ça fait pas forcément peur d'aller chez le médecin. Une fois tous les nounours guéris, place à la réalité au SAMU de l'hôpital où l'ambulance et l'hélicoptère attendent les enfants. Encore un moyen ludique d'effacer toute peur de la blouse blanche. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une merveille cette chose. Ça a un coût entre 45 et 150 euros la grande réparation, mais c'est vrai que ça peut quand même sauver la vie. Oui, c'est le doudou. Ouais, ah, bah, si on perd le doudou, ça vous est déjà arrivé ou... Ça m'est arrivé une fois à Montparnasse, rue de Rennes. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Si vous le retrouvez, il est rose. Ah, vous l'avez jamais retrouvé ? Non. Parce que moi, je l'ai perdu pendant 24 heures. Ça a été un cauchemar, mais on l'a retrouvé. Mmh. C'était vraiment un beau conte de fées. On termine avec. Avec la vidéo du jour. C'est vrai que chaque jour pendant l'émission, on reçoit beaucoup, tous les trois, des photos et des vidéos envoyées par des téléspectatrices qui souvent regardent l'émission avant, en fin de grossesse ou avec leur bébé, etc. Et on s'est dit, pourquoi en passer qu'on trouve sur Facebook qui ne viennent pas de nos téléspectateurs, dorénavant on va passer les vôtres. Donc la première est celle-ci, vidéo envoyée sur Instagram par Margot. C'était mardi. Merci Margot. C'était en marge de l'émission sur le cododo. Margot qui nous signalait que parler cododo avec Arnaud Pferdorf a eu au moins le mérite d'endormir sa fille Soline. Preuve à l'appui avec cette vidéo. Donc, on voulait signaler que la Maison des Maternelles est la seule émission qui ravit d'endormir ses téléspectateurs. Ouais, et on adore recevoir vos vidéos en message privé et tout. Enfin, parfois, j'imagine qu'on ne répond pas, on doit zapper des messages. Mais
Moi, j'essaie vraiment d'en passer de plus en plus. On répond, je crois, vraiment à tout le monde au bout d'un moment. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. À suivre, un tuto qui me tient vraiment à cœur parce qu'il pourrait bien changer votre vie comme il a changé la mienne. Les 5 Tibétains, 5 exercices à faire tous les matins. Ce sera Karim, évidemment, qui nous donnera ces 5 exercices tout à l'heure. Tout de suite, un témoignage très fort, plein d'espoir d'une jeune femme qui est devenue maman envers et contre tout, et surtout contre la mucoviscidose. Réagissez, envoyez-nous vos témoignages sur les réseaux. On partage avec nos invités. Tout de suite. Comment fonder une famille lorsqu'on est atteint d'une maladie génétique grave, considérée encore aujourd'hui comme incurable? Chaque année en France, on compte une 60aine de grossesses chez les femmes atteintes de mucoviscidose, une réalité impensable il y a peu encore. Comment se déroulent ces grossesses sous haute surveillance? Comment se projeter dans l'avenir? On a plein de questions à vous poser, Julie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes atteinte de mucoviscidose et malgré la maladie, vous avez fait le choix de devenir maman. C'était vraiment, on sent chez vous, une volonté, mais vous, il fallait que vous deveniez maman. Tout à fait. Vous racontez votre quotidien avec votre mari Ludovic et vos deux enfants, Loane qui a 6 ans et Mathéis qui a bientôt 2 ans, dans un blog qui va s'inscrire en bas de votre écran. C'est maman-muco-enco. Merci de venir donc témoigner sur notre plateau avec un message, vous allez voir, plein d'espoir. Bonjour docteur Pierre Foucault. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes pédiatre, vous avez été responsable du centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose de Versailles et vous êtes aujourd'hui président de l'association Vaincre la mucoviscidose. Pareil, l'adresse s'affiche en bas de votre écran, vaincrelamuco.org. Est-ce que, docteur, on peut commencer peut-être par définir ce que c'est que cette maladie? Vous l'avez dit, c'est une maladie génétique grave qui touche en France 7000 patients environ. Et qui se traduit par l'atteinte de plusieurs organes. C'est une maladie un peu complexe, dont le dénominateur commun, c'est un mucus visqueux, ce qui a donné le nom de mucoviscidose. D'accord. Et la maladie est sévère par l'atteinte respiratoire, essentiellement, mais elle touche d'autres organes, la digestion, l'intestin. C'est-à-dire que le mucus s'accumule, en fait. Le mucus s'accumule. Colle. Et encombre les poumons, par exemple, et surinfecte les poumons, ce qui conduit pour les patients en situation d'insuffisance respiratoire à devoir aller vers la transplantation pulmonaire. Sur les adultes un peu plus nombreux aujourd'hui que les enfants, ce qui traduit l'amélioration de la prise en charge, 1 sur 5 vit avec des poumons qui ont été greffés. Et puis, l'espérance de vie a beaucoup progressé. Oui, on a parlé de 7 ans tout à l'heure, voilà, en introduction. Elle était de cette 7 ans en 65, et pour un jeune enfant, aujourd'hui, on estime que l'espérance de vie est de 45 ans environ. Et ça peut être plus, j'imagine. Et ça va être. Voilà, et ça va être plus, Julie. Alors, malgré cette maladie très contraignante, vous avez toujours voulu avoir des enfants, Julie, toujours. Tout à fait, oui, j'ai toujours eu le désir d'avoir des enfants, oui. C'est-à-dire que, mais j'imagine que vous avez demandé conseil aux médecins qui vous suivaient. Oui. Dès le début, enfin, dès toute jeune. Bah, en fait, c'est venu naturellement. En fait, c'est le pédiatre à ce moment-là qui m'en a parlé naturellement en me disant que ce serait certainement compliqué dans le futur d'avoir des enfants. Elle vous l'a dit carrément quand vous étiez toute jeune et vous a dit ça va être. Oui, c'est un sujet dont on a parlé quand je devais avoir 14-15 ans. Donc, c'était un sujet à ce moment-là lointain pour moi. Mais du coup, on en a parlé. Et, voilà. Parce qu'il vous disait quoi? Que généralement, les gens atteints de cette maladie sont stériles ou... C'est juste c'était qu'il très vous compliqué. Pas. Enfin, que c'était compliqué d'avoir des grossesses, que c'était faisable, mais que ce serait plus compliqué qu'une personne non atteinte de mucoviscidose, en fait. Donc vous partez avec cette idée-là, vous vous dites bon, ben moi, je suis pas forcément complètement stérile, mais enfin quasiment. Et puis à 16 ans, vous tombez enceinte. Comment est-ce que vous avez réagi parce que vous étiez toute jeune? Ben moi, j'ai très bien réagi parce que sachant qu'on m'avait dit quelques années avant que ce serait compliqué, au final, c'est tombé. Enfin, c'est un cadeau du ciel, en fait, pour oui, moi. Ça. Donc du coup, la grossesse, ça s'est C'était un cadeau, en fait, et du coup, je l'ai très, très bien pris. Ludovic aussi, du coup. Bon, c'est vrai qu'on était très, très jeunes, on avait 16 ans, donc c'est vrai que pour les parents, c'était beaucoup plus compliqué, surtout de mon côté, on va pas se mentir. Mais ça s'est très, très bien passé. Et du coup, alors, comment est-ce que vous avez organisé, réorganisé votre vie? Parce que j'imagine que vous étiez au lycée. Tout à fait, donc du coup, j'ai arrêté toutes mes études, du coup, et je me suis occupée de ma fille, et voilà. Et contente de le faire. Voilà, tout à fait, très, très épanouie. Docteur, on a eu cette question d'Estelle. La mucoviscidose peut-elle conduire à une stérilité ou une baisse de la fertilité? Avant de répondre, préciser que la sexualité de ces patients est strictement normale. Ouais. Les hommes atteints de mucoviscidose sont, dans leur très grande majorité des cas, stériles, puisque leur éjaculat ne
ne contient pas de spermatozoïdes. C'est différent pour les femmes, comme Julie, qui ont une réduction de leur fertilité, qui est liée au fait que la glaire du col de l'utérus, par sa viscosité, complique le trajet des spermatozoïdes vers les, vers les ovules. Ça complique, mais ça ne rend pas impossible voilà. la chose. Dans la plupart des cas, les femmes atteintes de mucoviscidose passent par une assistance médicale à la procréation. D'accord. Mais on le voit bien, Julie en est le vivant et vibrant exemple, que les choses peuvent se passer naturellement. Ce qui veut dire d'ailleurs que lorsqu'un couple ne souhaite pas avoir d'enfant trop tôt, que ça suppose une prescription de contraception. Oui, c'est ça. Julie, comment s'est passée votre grossesse ? Première grossesse. Voilà, ma première grossesse, c'est très très bien passé. J'ai dû être déclenchée 3 semaines avant terme, parce que du coup, mes poumons étaient trop compressés avec le bébé. Du coup, je finissais par être très très essoufflée et niveau pulmonaire, ça devenait compliqué. Du coup, on m'a déclenchée 3 semaines avant, mais la grossesse en elle-même, elle s'est super bien passée. Et pour votre seconde grossesse, du coup, vous avez décidé 3 ans plus tard, c'est ça, d'agrandir la famille ? D'une deuxième grossesse qui n'a pas abouti, du coup, jusqu'aux 9 mois, mais vu qu'on a dû faire un avortement à 5 mois de grossesse, parce que du coup, j'étais entre la vie et la mort. Ah oui. Donc, c'était soit moi, soit le bébé, donc la décision a été... Ça, c'est très dur, 5 mois de grossesse. C'est ça, donc pour la pneumologue, le choix a été rapide, hein, c'était moi. Donc, parce que vous viviez très mal cette grossesse à ce point-là, enfin, je veux dire, vous... J'étais très malade, en fait, j'avais perdu 12 kilos. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Mon souffle avait aussi baissé de toute façon. Donc du coup, pour la pneumologue, le choix était... Enfin, d'après la pneumologue, le choix était déjà fait, en fait. C'est que du coup, on a fait un avortement à 5 mois de grossesse d'un bébé mort, du coup. Et du coup, oui, après, on a envie... C'était en 2015 et en 2017, du coup, j'ai eu une troisième grossesse, du coup, avec Mathéis, qui a abouti, du coup, jusqu'à 7 mois et demi, quand même. Voilà, donc en fait, malgré les risques pour votre santé, vous vous êtes dit, non, je continue et je veux une troisième grossesse. C'est ça, tout à fait, exactement. Et vous avez accouché à quel moment, alors, de votre grossesse ? À 7 mois et demi. 3 semaines avant pour la première. Pour la première, du coup, la deuxième, bah, du coup, à 5 mois, un bébé mort. Et du coup, de Mathéis, du coup, à 7 mois et demi. 7 mois et demi. Donc, ça va, vous avez quand même bien tenu, quoi. Tout à fait, oui. Docteur, c'est important d'attendre le feu vert de son médecin avant d'entamer une grossesse quand on est atteint de la mucoviscidose ? En entendant le témoignage de Julie, on comprend bien qu'une grossesse, ça n'est pas anodin au parcours de la mucoviscidose. On entend bien, malgré le joli sourire de Julie racontant sa deuxième grossesse, que parfois, le risque est tel qu'il peut mettre en jeu la vie de la maman. Et puis, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent compliquer le développement du fœtus. Donc, tout ça réclame une bonne coordination entre l'équipe pluridisciplinaire spécialisée et sages-femmes et obstétriciens qui prennent en charge la grossesse. Et il y a nécessité d'éclairer le choix du couple avec une bonne information, un bon dialogue, une bonne écoute. C'est une décision médicale partagée. Et le mot « feu vert » me gêne un peu, celui que vous utilisez, parce que ça laisserait entendre qu'il y a un feu rouge. Il faut admettre que une fois tout sur la table, y compris jusqu'à déconseiller une grossesse, le choix appartient au couple, c'est son libre arbitre. Oui, il y a Aurélien qui vous pose une question. La grossesse peut-elle aggraver l'état de santé d'une personne atteinte de mucoviscidose ? Oui, bien sûr. Oui. C'est toute la question, toute la difficulté du meilleur moment et du bon choix. Elle peut l'aggraver parce que le développement du bébé dans le ventre de sa maman réduit l'ampliation pulmonaire, ça n'est pas un problème, sauf quand on est insuffisant respiratoire. Ouais. Et puis, il faut garantir une bonne prise de poids, un bon développement pour le bébé. Donc, la maman va faire l'objet d'un suivi rapproché, nutritionnel, diététique. Une grossesse au cours de la mucoviscidose, c'est suivi comme le lait sur le feu, comme l'on dit. Et j'imagine qu'il y a aussi la question des traitements, aussi, parce qu'il y a des traitements contre la mucoviscidose, et donc pendant la grossesse, est-ce qu'on peut les prendre ? Alors, heureusement, le traitement de fond n'est pas du tout un problème lors d'une grossesse, mais face à certaines complications, oui, on a un choix de traitement moins important, parce que certaines molécules ne peuvent être utilisées, sauf à prendre un risque pour le bébé. Oui, c'est ça. Julie, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez dû vous justifier un petit peu de faire ce choix de la maternité auprès de vos proches, mais aussi auprès du corps médical ? Est-ce que c'était moins simple ? Auprès de ma famille, non. Non, de toute façon, ils n'ont pas eu trop le choix, j'ai envie de dire. Donc, de toute façon, ils ont accepté. Ils n'ont pas eu le choix que d'accepter. Par contre, au niveau du corps médical, ça a été compliqué parce que
La première grossesse, bon, elle arrivait comme ça, donc il n'y a pas eu à se poser la question avant, mais par rapport à ma deuxième et ma troisième grossesse, je n'en avais pas parlé du tout à ma pneumologue, en fait. J'ai pris la décision avec mon mari d'avoir un enfant et je n'ai pas demandé d'avis, entre parenthèses. Donc oui, ça a été un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on vous disait, alors? Quand j'ai annoncé mes grossesses à ma pneumologue... Vous vous êtes fait engueuler? Voilà. Clairement, voilà. C'est pas très, très bien passé. Pour votre santé ou plutôt parce que c'est un choix de se dire que nous, on a, vous avez une maladie qui peut conditionner un rapport différent avec vos enfants. Est-ce que vous avez entendu des jugements sur vos choix? Pas forcément par rapport à la pneumologue, mais dans la vie de tous les jours, oui, j'ai eu beaucoup de critiques de personnes que je ne connaissais même pas, d'ailleurs, en me disant... T'es égoïste, en fait, tu sais que t'es malade, tu sais que tu vas mourir, mais tu décides de faire des enfants et de les laisser orphelins un jour ou l'autre, en fait. Enfin, pour les gens, c'est un choix égoïste que j'ai fait d'avoir voulu fonder ma famille, oui. Bon, bah, j'espère que vous leur avez dit « ta gueule ». Oui, voilà, exactement. Voilà. Alors, pour nous donner un aperçu de votre quotidien en famille, vous nous avez reçus chez vous, on vous en remercie d'ailleurs. C'est à Bel Air de Combray, dans le Maine-et-Loire. Et c'est Fleur Mongibaud qui est venue avec sa caméra pour vous suivre dans votre quotidien. Regarde ça. Ciseaux. La pierre tombe dans le puits. Jouer avec sa fille Loane, Julie ne peut le faire qu'assise, car elle est très fragilisée par sa maladie. Ma maladie, pour moi, elle est vraiment handicapante parce que du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Clairement, dans la vie quotidienne, ça se manifeste au niveau de l'encombrement. Je vais être très, très essoufflée, très, très fatiguée, au moindre effort, en fait, je dirais. On est obligé de s'organiser avec Ludovic pour que lui fasse tout ce qui est plutôt debout, fatigant, et que moi, je puisse faire ce qui est assis et moins fatigant, je dirais. Dans cette situation, toutes les tâches quotidiennes sont assurées par le papa. Particulièrement, les week-ends sont très chargés. Entre le ménage des petits, puis faire les courses, ranger la maison. Mais bon, il faut faire un choix dans la vie. Tu veux mettre la table ? Loane participe spontanément pour nous aider, donc que ce soit pour faire la cuisine, pour mettre à table, pour la débarrasser. Elle m'a vue très très faible et inconsciemment, je pense qu'elle s'est dit si maman ne peut pas faire, va peut-être falloir que moi j'aide papa en fait. Loane est très très mûre pour 6 ans, c'est vrai que c'est une deuxième maman. Une maladie invalidante pour Julie qui pèse aussi lourdement sur son couple. C'est arrivé des moments de crise où je voulais partir parce que j'en avais ras-le-bol de tout ça, de tout faire. Mais après, on se raisonne. En gros, la maladie, moi, j'essaie de la mettre un peu de côté quand je peux. J'essaie de la prendre comme une femme, comme les autres, quoi. L'histoire d'un instant, quoi. Donc il y a l'amour aussi. Il y a l'amour et... C'est qu'on s'aime quand même, malgré la maladie qui est compliquée, nos prises de tête. On a toujours surmonté ces épreuves ensemble. Si le couple résiste, Julie s'interroge sur ses compétences en tant que maman. Non, c'est très compliqué pour moi de faire l'éducation de Mathéis. Quand il faut le porter à bout de bras pour le mettre au coin, qu'il ne se laisse pas faire, c'est hyper sportif en fait de porter un enfant pour le mettre au coin. Je crie beaucoup, mais ça ne marche même pas. Donc moi et Mathéis ne m'obéissent pas beaucoup. Clairement, il obéit à Ludovic, mais pas à moi. Pourtant, malgré la fatigue, Julie est une maman investie qui tente de profiter de chaque moment passé avec ses enfants. J'aimerais bien des fois aller faire du vélo avec Loane ou aller me promener en tête-à-tête avec Loane ou même les emmener tous les deux en forêt. Mais moi, c'est pas possible, quoi. Parce que la poussette, faut la pousser, c'est lourd. Des fois, il y a des bosses, c'est compliqué. Enfin, oui, des fois, ça me rend triste quand même. Je suis pas une maman comme les autres mamans. Malheureusement. Mais à côté, quand je les vois sourire, quand je les vois jouer comme ça, je suis très très heureuse, quoi. Donc, J'espère que tu continueras comme ça. Ah oui. C'est bizarre hein, de regarder son propre quotidien comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Vous avez quand même l'air d'être une famille super heureuse, super épanouie. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que ça... Ça fait plaisir quand même de voir des images comme ça. Notre petite famille, on ne se voit pas en fait. Enfin, quand on ne se filme pas, on ne se voit pas. Donc c'est vrai que ça fait bizarre un peu de se voir. Julie, est-ce que vous avez eu peur à un moment que vos enfants aient eux-mêmes la mucoviscidose? Alors oui et non. Ça me rend bien d'avoir des enfants avec la muco. Mais en même temps, pour Loane, du coup, j'étais déjà enceinte quand
Alors, j'étais enceinte, donc faire les tests avant, c'était compliqué. Du coup, on les a fait pour ma deuxième grossesse, du coup. Et Ludovic avait fait les tests, et du coup, il n'y avait aucun risque, en fait, que mes enfants aient la muco. D'accord. Et justement, docteur, on a une question d'Agnès qui vous demande quel est le risque de transmission de la maladie. Le risque de transmission de la maladie est lié au fait que pour être soi-même atteint de mucoviscidose, il faut avoir hérité du défaut génétique de son père et de sa mère. C'est-à-dire que les deux doivent avoir un défaut génétique. Les deux doivent avoir un défaut génétique. Il y a 2 millions de personnes en France qui, en toute ignorance, en parfaite santé, portent ce défaut génétique. Et évidemment, lorsque les deux membres du couple sont concernés par ce statut de porteur sain, il y a un risque de 25% à chaque grossesse. Oui. Et quelle est la solution, pardon, si les deux parents sont porteurs, du coup Je reprends la situation particulière de Julie, puisque elle va nécessairement transmettre à son bébé l'une des deux mutations qu'elle porte. Donc, ce qui était important, c'est que Ludovic passe un test génétique, ça a été votre choix, et qu'on s'assure qu'il n'ait pas, lui, de défaut génétique. D'accord. Si ce n'avait pas été le cas, le risque pour une grossesse, était de 50%. Oui, puisque les deux. Voilà. Alors, lorsqu'on est confronté à cette réalité, à ce niveau de risque, la solution qui est offerte au couple, et encore une fois, c'est lui qui se détermine, c'est lui qui choisit, c'est le dépistage anténatal. Oui. On prélève un tout petit fragment en début de grossesse de placenta, on recherche les mutations, et si les mutations signent la maladie, dans la plupart des cas, les couples optent pour l'interruption de grossesse. Mmh. C'est douloureux au point qu'il y a une autre solution qui est le diagnostic préimplantatoire. Mmh. On passe par une fécondation in vitro et à partir d'un certain nombre d'embryons, on va sélectionner ceux, bien sûr, qui ne portent pas les mutations. C'est un long parcours. Il y a très peu de centres habilités en France et ce sont des délais d'attente très sensible. Julie, qu'est-ce que vos enfants savent de votre maladie ? Mathéis, 2 ans, pas grand-chose pour le moment. Mmh. Pour Loane, bon, c'est un peu plus concret, sachant que dans son école, il y a une petite fille qui a aussi la mucoviscidose, donc à l'école, ils en ont parlé assez régulièrement. Et du coup, Loane, on lui a expliqué toute petite déjà, parce que Loane se posait des questions sur la venue des infirmières, sur la venue du kiné régulièrement, mes hospitalisations à l'hôpital. Donc pour Loane, on lui a expliqué assez tôt que sa maman était malade, que du coup c'est pour ça les hospitalisations, que enfin tout le monde à la maison. Après aujourd'hui, je sais pas si Loane, c'est vrai, enfin, elle sait que j'ai la mucoviscidose, elle le dit très bien. Après, je sais pas vraiment si Loane se rend compte de la maladie en elle-même. Moi, après, elle a que 6 ans, elle vient souvent avec moi à l'hôpital, donc on a vu des pédiatres qui lui ont plus ou moins expliqué via des petits bouquins. Mais je ne sais pas si Loane comprend encore vraiment ce que c'est la muco. Mais elle sait que j'ai la muco et elle comprend les risques. Souvent, quand son frère fait des bêtises, elle dit à Mathéi, ça me fait rire, mais ce n'est pas marrant, mais elle dit à son petit frère, arrête d'embêter maman, sinon elle va être fatiguée et elle va partir au ciel. Oh. Donc elle comprend très bien qu'il faut éviter de me fatiguer, qu'il faut m'aider, qu'il faut être sage. Bon, 2 ans, vous, avec un petit garçon, croyez-en une spécialiste. Ça va passer. Comment est-ce qu'on aborde le sujet avec les enfants ? Elle parlait de livres, de petits supports. Jusqu'où on va dans la description de ces maladies ? Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les jeunes enfants sont de très fins observateurs. Oui. Et il ne leur a pas échappé, dès leurs premières observations, que maman avait un certain nombre de contraintes de soins pluri-quotidiennes, qu'elle avait une maladie chronique qui se compliquait parfois, qui nécessitait parfois des temps de séparation pour les hospitalisations. Donc ça, les enfants intègrent ça naturellement assez rapidement, assez spontanément. Et puis, ça fait partie de la personnalité, de l'identité même de Julie et de tant d'autres patientes, ce qui fait que c'est un processus d'appropriation progressif. Il faut trouver les mots pour le dire. Chaque famille a sa manière, sa culture. Et puis, donner l'occasion aux enfants de pouvoir réagir, de pouvoir eux-mêmes s'exprimer. Je trouve très sain que votre petite Loane puisse parler de la fatigue de maman et des risques que ça suppose. Alors, finalement, Julie, ce choix d'avoir des enfants, ça affirme aussi votre confiance dans l'avenir de votre maladie ? Tout à fait, parce que du coup, je me dis que j'ai des enfants. Enfin, j'ai réussi, moi, à en avoir... Enfin, que j'ai eu 3 grossesses naturelles, donc je me dis que
que je peux peut-être envisager un futur un peu plus lointain, du coup, avec ma petite famille. Voilà, pour le moment, vous n'envisagez pas une nouvelle grossesse ? Non. Non, 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 c'est... Là, pour le coup, vous êtes raisonnable. Voilà, c'est ça. Puis bon, c'est très, très fatigant quand même. Ouais. Oui, c'est sûr. Bon, je rappelle que vous communiquez, tout comme nous, on le fait sur les réseaux. Vous avez un blog, Maman Muco. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Maman-Muco, c'est tout ça ? Tout à fait. Point Org. Non, bon, on va tweeter le lien. Bref, on va tweeter le lien. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce blog ? Ne pouvant pas avoir d'activité professionnelle due à la maladie de mon état actuel, je ne voulais pas m'enfermer avec ma petite famille. Je voulais vraiment parler à d'autres personnes, des inconnus, des personnes qui ont la muco, des parents de muco. Et du coup, à travers mon blog, je donne mon avis, mon partage, je raconte ma vie de muco. Et du coup, pour moi, c'est très important de partager cela avec des plus jeunes muco, en fait. Oui, qui ont montré très certainement besoin. Tout à fait, c'est ça. Moi, je sais que j'aurais aimé, à 15-16 ans, avoir un modèle, entre parenthèses, sur qui me... Enfin, comment dire ? Vous appuyer. Voilà, m'appuyer pour grandir, en fait, en toute sérénité. Merci Julie, merci Docteur Foucault, c'était très clair, merci parce qu'on connaît mal cette maladie. Merci au maestro Clémentine Suquet qui a merveilleusement préparé ce dossier. Est-ce qu'il faut faire des petits cadeaux à l'aîné quand arrive la naissance du deuxième ? C'est souvent la réaction de nous parents qui croyons vraiment que notre enfant va croire que le deuxième enfant qui était dans un ventre est allé au magasin et est allé acheter lui-même une petite voiture pour faire plaisir à l'aîné. Bref, on fait plein de bêtises, mais Marie Père Arnaud on va rectifier tout ça tout de suite. Benjamin, est-ce que vous avez un appel à témoin ou est-ce que vous n'avez pas travaillé ? J'ai un appel à témoin qui m'a été écrit par mon personnel. Lors de votre accouchement, avez-vous vécu l'une des situations suivantes ? Une position différente, par exemple assise, sur le côté, à quatre pattes, etc. Une épisiotomie ou une déchirure ? Une intervention instrumentale avec, par exemple, des forceps ou des ventouses ? Si oui, avez-vous été informé tout au long de l'accouchement de ces possibles aléas ? Pour témoigner ou poser une question sur ces sujets, vous nous écrivez. On attend vos messages à lmdm@p2l.com. C'est l'heure de tester. Alors, mon petit chou, il y en a des trucs. Hein, il y en a moult, parce qu'évidemment, on va y aller par étapes. D'accord. Alors, parce qu'annoncer sa grossesse à son aîné, ce n'est pas chose facile. On ne va pas le faire tout de suite, parce que 9 mois, c'est très, très long. Donc, généralement, on commence à annoncer sa grossesse à son aîné quand ça se voit. Oui. Évidemment, c'est toujours très désagréable quand au supermarché, quelqu'un vous laisse passer à la caisse pour femme enceinte et que votre enfant ne le savait pas, s'il est vexé. Et on le comprend. Donc, évidemment, on va commencer à aborder ce sujet de la future naissance avec des livres, le meilleur support ever pour parler de tout ça. Il y a pour les tout petits, il y a les fameux Jeanne HB que je vous recommande. Alors, je ne les ai pas sur place, puisque, évidemment, on ne peut pas avoir 12 milliards de livres, mais ils sont extraordinaires. C'est eux dedans, il y a. Donc, il va expliquer un petit peu où se trouve le bébé. C'est vraiment pour les 18 mois, 2 ans, quand on a peu d'écart entre ses enfants. Mais c'est souvent là où il y a pose problème. Voilà, ça quand pose même. Problème. Et après, il y a qui va raconter la venue du bébé, surtout, va quand même nous dire que le bébé ne va pas être forcément très intéressant au départ. On a aussi le fameux Il y a une maison dans ma maman aux éditions Gauthier Lancro qui est vraiment il est très, super très bien fait. Ouais. Il est super bien fait pour les un peu plus grands. Voilà, vers 18 mois, 2 ans, 3 ans, on a une petite histoire très sympathique qui va rassurer l'enfant. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le coaching. On a évidemment Choupi, va avoir un petit frère, petit oui. Ours, va avoir une petite sœur. Tout le monde va être gavé de bébés. Donc profitons-en avec les héros préférés. Pour les plus grands, j'aime beaucoup cette petite encyclo. Quel événement un bébé, parce qu'il va raconter en fait le quotidien de la maman qui est enceinte. Et donc les enfants vont pouvoir se retrouver dedans et donc se dire « bon bah ça va chez moi, c'est pas trop chelou ». A priori c'est un petit peu comme ça chez tout le monde. Donc ça c'est super pour se préparer. Ensuite, on ne va pas laisser de choix très importants à l'enfant. On ne va pas l'emmener aux visites médicales ni aux échographies. En revanche, on peut le faire participer à des choses un petit peu légères, genre la déco. Oui. Pas le choix du prénom, mais la déco. On peut aussi se dire qu'on va offrir un doudou, on va le choisir ensemble. Donc là, je vous ai pris, par exemple, un petit lapin qu'on il va choisir, mignon. Qui est très kiki. Et on va pouvoir faire décorer la boîte, par exemple, à son aîné. Voilà, c'est des manières de participer sans que ça soit trop impactant. Ensuite, pour annoncer... Alors ça, j'ai une maman qui me dit « Comment annoncer ma grossesse ?» à la grande sœur qui a 5-6 ans. J'aimerais bien un petit moment, comme on pourrait le faire avec les chaussons, etc. Oui, avec le conjoint. Exactement. Donc, je vous ai dégoté. Alors, une boutique sur Etsy, en fait, c'est Marine qui avait fait ça pour sa fille. C'est une petite carte d'annonce. Voilà, gratte vite pour connaître la bonne nouvelle. Génial. Évidemment, vous imaginez bien qu'en dessous, il y a écrit « Tu vas être grande sœur ou tu vas être grand frère » selon le modèle choisi. Et on va pouvoir offrir ce kit. Alors, la boutique s'appelle Little Pop Studio. Et on a un chéquier avec des choses que la super grande sœur va pouvoir faire. Donc, changer la couche. Bon, ça, c'est peut-être pas le chéquier dont elle va avoir bon le pour faire le ménage de toutes les couches bon de pour nous faire frère. Des pizzas parce que ce soir, on n'en peut plus. Bon pour, voilà, faire un gros câlin
à bébé. Donc c'est plutôt quelque chose de symbolique, mais c'est mignon comme très tout, sympa à faire. Ensuite, pour annoncer la grossesse aux autres, on va trouver énormément de t-shirts. Ça, c'est nos amis belges de La Vie en Magenta qui nous proposent ça, que je trouvais très sympa. Ce sont des petits t-shirts. Donc je vais être grande sœur, je serai bientôt grande sœur ou je serai bientôt grand frère. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment rigolo. Ils sont de très bonne qualité, vous pouvez toucher. Mais oui, c'est ce que mais je vois. Oui, tout à fait. Très, très on ne bon se moque coton. Pas de nous, les amis. Ensuite, on va faire, enfin, on va pouvoir faire ce que les gens appellent les boîtes à grand frère ou les boîtes à grande sœur. Alors, on aime, on n'aime pas. C'est comme la boîte à papa. Au moment de partir à la maternité, on va pouvoir offrir une boîte. On en trouve énormément d'exemples sur les réseaux. Je vous ai sélectionné celle de Lily et Manon. Qu'on voit à l'écran, voilà, qui a rempli en fait une boîte avec plein de petites choses qu'on offre au moment de partir à la maternité, comme on ne va pas être là pendant 3 jours. Et chez Decobrico, vous en avez plein aussi. Ce qu'on peut faire quand on est par exemple un ami et qu'on va célébrer une naissance, on va penser à l'aîné aussi. Et alors là, j'ai craqué complètement par une boutique qui s'appelle Au rêve éveillé. Attendez, on va débarrasser un peu. Et qui propose des créations. En fait, des boîtes de naissance pour le bébé et pour l'aîné. C'est-à-dire que le bébé, là, par exemple, c'est le petit Marin qui va naître. On va faire une... particulièrement mignon. Très, très beau. Il faut quand même le dire. Oui. Alors voilà, Au rêve éveillé, elle propose des hochets pour le bébé, un petit linge, et elle n'oublie pas l'aîné. Et ça, je trouve ça sympa, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la loose quand on est à la maternité et qu'on n'a pas son petit cadeau pour l'aîné. Voilà. C'est génial. Ça, c'est génial, avec c'est son mignon. Petit bébé. Voilà, on en profite pour, évidemment, permettre à son aîné d'être dans le mimétisme. Le moment où il va naître, on va pouvoir lui proposer un poupon. Vous savez que j'aime bien mes petites écharpes de portage pour enfants ou mes petits porte-bébés. Je porte mon bébé Ergo Baby en fond vraiment pour les tout-petits. Et ça, c'est plutôt sympa de pouvoir imiter ses parents et puis voilà, d'investir autrement leur fratrie. Leur fratrie bon, voilà. Bref, et moi, je terminerai là-dessus. Une fois qu'on a son bébé né, on va pouvoir mettre un big brother ou un little sister, un big sister à ses enfants parce qu'on aime bien célébrer la fratrie. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font. Profitons-en. Quand ils seront grands, ils voudront mettre que les fringues qu'ils ont choisies. Là, on... Oui, allez. C'est ça. Bah, tant qu'ils sont petits, c'est mignon. Ils sont pas vos chapitres et ça, c'est quand même pas mal. Merci Marie Perarnaud. Ça va être l'heure de pratiquer. Est-ce qu'il est déjà en place, Karim? Oui, il est en place. Alors bon, je sais que je vous ai un peu forcé, mais je crois que vous êtes content de parler des 5 Tibétains ce matin. Ah oui, vous avez bien fait, Agathe. Si vous adoptez cette petite discipline, cette petite hygiène de quotidien, vous allez vous sentir vachement bien et vous aurez des abdos en béton. C'est l'heure de pratiquer avec Karim. On va le faire. D'ailleurs, à propos d'abdos en béton, à la fin de l'émission, Agathe va nous montrer les siens. Bonjour, aujourd'hui, on va visiter le Tibet. D'habitude, quand on pense yoga, on se dit ce qu'on va en Inde, mais là, c'est le Tibet, les 5 Tibétains. Juste 5 exercices à faire, 5 postures qu'ils appellent rites, qui va vous redonner de la pêche quand vous êtes une jeune maman, vous avez souvent besoin d'énergie parce que les enfants ne font pas leur nuit, parce que vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire du sport efficace et ça vous booste. Ça vous parle surtout pour Carole qui a 2 enfants, je crois. Oui, tout à fait. Des jumeaux. Des jumeaux. Comment ils s'appellent? Eh bien, à droite, c'est Arthur et à gauche, c'est Charlie. À droite, c'est Arthur et à gauche, c'est Charlie. Charlie et Arthur, vous allez regarder maman faire du sport. C'est du sport intense. Mais très efficace. Ok. Soupe, ça reste du yoga. Ça marche? Impec. Allez, on y va. Pour la première posture, on va faire le derviche tourneur. Bon, on va au Tibet, mais on visite tout le monde entier, le derviche, la Turquie. Là, l'idée, c'est les mains ouvertes et vous allez tourner sur vous-même. Voilà, tout doucement. Voilà. Un petit sourire. Carole, quand on faisait la répétition, disait, vous êtes sérieux? Vous allez me faire tourner comme ça à la télévision? Mais oui. Laissez la tête tourner un tout petit peu, voilà, ça va? Jusque là, ça va? Ça va. Allez-y. L'idée, c'est de faire une douzaine de tours comme ça. Mm-hmm. Allons-y encore, tout doucement. Ça vous sert d'échauffement. Ouais. Et encore. Et stop, vous revenez doucement. Laissez le corps se calmer. Ça va, ça ne tourne pas trop? Si, ça tourne. Mais ça vous permet de dynamiser le corps. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. OK. Pour le deuxième, on va aller au sol. Tous ces exercices, tous ces qui sont appelés rites, vous allez vous mettre assise par terre, voilà. Vous pouvez les faire, soit n'en faire qu'un seul pour vous habituer à eux, soit les faire les uns à la suite des autres. Allez, les jambes tendues, OK? On va faire les jambes au ciel. Ici, l'idée, ce sera de ramener les jambes près de vous et lever les jambes en inspirant et contrôler la descente sur l'expire. Parfait. Et quand vous sentez que ça commence à tirer dans le bas de la colonne, pliez les jambes posées et vous les retendez tranquillement. Et on repart. Inspirez près de vous, tendez les jambes, étirez et allez vers le bas.
plié et posé. L'exercice classique traditionnel se fait en levant la tête et en levant les jambes vers le ciel. Mais là, vous voyez que ça, le ventre se gonfle. On n'aime pas beaucoup ça dans la maison des maternelles. Ça fait des pressions sur le périnée. Donc, on va garder la tête par terre et vous allez aller par terre tranquillement. Ça marche? Ça marche. Jusque là, ça va? Vous sentez les abdominaux qui travaillent? Oui. Donc, vous faites 5-6 répétitions au début et petit à petit, vous allez arriver à en faire une dizaine. Allez, on passe aux troisième position, s'il vous plaît. Et là, on va se mettre sur les genoux. On va faire la posture de l'arc. L'idée, vous allez mettre vos mains sur l'arrière, au niveau des fessiers, avec les pouces au niveau du sacrum, voilà, ici. Et vous allez inspirer en allant en arrière, ouvrez la poitrine en souriant, voilà, et expirez, ramenez le menton bien contre la poitrine. Allez, inspirez en arrière, voilà. Ici, faites bien attention, détail important. Regardez ici, Carole va enlever cette main pour que vous voyez bien. Ne creusez pas le dos, ça ne se passe pas au niveau de la colonne, mais c'est au niveau des omoplates que ça se passe. Ici, bien en arrière, et vous revenez en expirant. Parfait. Encore un dernier. Allez bien avec la tête en arrière, et vous ramenez près de vous. Parfait. Ça va, tourne pas trop? Ça va, impeccable. Jusqu'ici, ça va. Allez, on va passer pour la table basse. Vous allez vous placer ici. Sur les mains, comme une sorte de pont. Faites attention, les doigts vers l'avant, les épaules bien basses, et vous allez lever le bassin, faire une vraie table. La tête va en arrière, en inspirant, laissez-la tomber, et expirez en revenant. Portez, allez, portez. Voilà, le menton contre la poitrine, et commencez par la tête. Allez-y encore, inspirez, la tête part, le corps suit. Inspirez bien, et expirez, la tête revient. Et là, stop, vous sentez les bras qui travaillent pas, les cuisses qui se musclent, les abdos qui se musclent, et vous dynamisez le corps. Allez, le dernier, qui est... Oui, et on redescend. Voilà, on arrête avec cette posture, parce qu'elle est très difficile. On passe à quatre pattes, s'il vous plaît. On passe pour la dernière. La dernière posture est ici, voilà. Ah oui, de l'autre côté, on va le faire comme ça, ce sera mieux. On voulait dire bonjour à Arthur. Et, allez. Ici, placez bien vos mains en appui sur le sol, ici à quatre pattes, et vous levez le bassin. Ici, l'exercice classique, vous restez là, vous ne bougez pas, Carole. L'exercice classique, ce serait de faire ça. Mais Carole va dire que c'est un peu compliqué au début. Donc, ce que vous allez faire, vous passez sur les genoux. Et ensuite, vous descendez à plat, contrôlez le corps, pas complètement contre le sol, et vous repoussez, serrez les fessiers et levez le bassin en arrière. Parfait. Encore une fois, genoux au sol, allez-y, pliez, et vous repoussez le sol, et remontez. Et voilà, faites-moi un dernier. Allez, on est là pour bosser. Allez-y, contrôlez, et poussez sur les bras, et vous venez, et stop, genoux au sol, et retour au calme. On sent comment? Ah, bien, impeccable. Pleine couleur. Plein de couleurs. Et ça, faites-le tous les jours. Vous allez voir que ça va vous donner plein d'énergie, ça va vous muscler tout le corps. Ça marche? Super. Adopte. Merci beaucoup, Carole. Merci, Carole. Je ne vous invite pas à table parce que je vous laisse avec vos bébés. Hein. Merci. En revanche, Karim, vous êtes convoqué. Eh ben, mon petit conseil, quand même, à la fin, là, le dernier exercice, chien tête en haut, chien tête en bas, profitez-en pour passer un petit peu de temps à écouter votre respiration. Puis vous en faites 3 la première semaine, 6 la deuxième, 12 la troisième et 21 après pour toujours. Et puis si vous avez la flemme, bah, vous en faites 12. Vous voulez approfondir tous les sujets, revoir les tutos de Karim, vous avez lamaisondesmaternelles.fr. N'hésitez pas à y aller. Le prénom du jour, Benjamin? Très joli prénom, très rare. Le prénom du jour, c'est Ezra. Ezra, écrit avec un Z. Bien sûr, c'est un prénom d'origine hébraïque qui signifie Dieu et secours. Ezra, c'est un prénom qui est très populaire aux États-Unis. Outre-Atlantique, comme on dit, mais encore un peu timide en France. Il est apparu dans les années 2000, donc c'est un prénom tout récent. Forcément, des Ezra connus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ezra Miller, l'acteur du Monde de Charlie ou des Animaux Fantastiques, que les adolescents connaissent bien. Il y a aussi Ezra Faël Nadal ou Ezra Shidadati. Ezra Shidadati. Non, mais là, franchement, le gars les a préparés avant de dormir au studio. Elle a trouvé. Quoi ah, mais c'est du coup, on a bossé. C'est elle qui a trouvé Dati. Ah, c'est vous qui m'avez trouvé. Ah, ouais, c'est pas mal. J'en ai pas Ezra Faël Mizrahi aussi. On ouais, a Ezra Faël Entoven. Invité haut de gamme lundi dans cette émission. Attention, je vous donne un indice, regardez. Hop là, ballon de basket. Ah, c'est si le petit dis... renard ou le mini James d'aller Si je vous dis basket, équipe de France le plus connu de l'histoire du basket français, vous me dites Michael Jordan.
Tony Parker dans la maison des maternelles, non. Les amis. Pourquoi? Parce qu'il s'engage pour que les enfants fassent plus de sport et globalement pour que nous, parents, on aide nos enfants à trouver des passions. Ça va être pas mal. Il a traîné dans les couloirs lundi matin, je sens qu'il arrive. En tout cas, on est ravis de l'avoir. Bon, à part Tony Parker, on vous culpabilisera un tout petit poil parce qu'on parlera d'écran. Est-ce qu'il dévore nos enfants? Surtout, on essaiera de vous donner des solutions pour les retirer petit à petit, les écrans. Et puis, on vous donnera évidemment tous les conseils de ce qu'il faut proscrire avant 3 ans. Anna Roy, notre sage-femme adorée, vous donnera des conseils de pro et de maman aussi pour garder la tête hors de l'eau pendant les premiers mois de retour de la maternité avec un tout petit bébé. On est... dépassé. Bienvenue à Ezra, bienvenue à tous les bébés du jour. Reproduisez-vous d'ici lundi. Vous avez tout le week-end pour... J'y compte bien. Oh, mais dis-vous, calmez-vous.